Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Callisto Protocol, épisode 8, j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. On vient tant bien que mal de franchir une étape assez compliquée en vrai, pour le coup c'était pas facile, et on est parti donc pour la suite, direction, si tout va bien, le tramway. On s'est pas mal amélioré, on a fait de belles petites choses, on a plus beaucoup de vie, on s'est fait un peu casser la gueule en termes de munitions, n'ayons pas peur de dire les termes, mais l'important, j'ai envie de vous dire, c'est presque de participer. Un petit récap, niveau munitions, on a pas mal de munitions de pompe, on a très peu de munitions de pistolet, on a deux heals, on a de quoi se recharger aussi avec une batterie d'énergie, donc je vais prendre le fusil à pompe, je me sens très frais avec, et puis c'est parti pour cette pièce bonus. Normalement, c'est une pièce bonus, si je ne suis pas fou. Pièce de stockage, comme on dit dans le milieu. Ok, très bien ça. Très très bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors. Bien. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Pas d'embrouille. J'ai cru que ça parlait d'embrouille. Ah. Excusez-moi. Effectivement. Oui, je disais, j'ai cru que ça parlait d'embrouille. Oh, je me suis moi-même empêtré dans une situation grotesque. Il n'y a pas d'embrouille, évidemment. Jamais d'embrouille ici, hein, faut le savoir. Allez, officier Kyle Serra. Ok, très bien. Kyle Serra, où tu es? Hop, tu es là. Let's go. Superbe. Il doit juste sûrement faire quelque chose de fou. Ok. Est-ce qu'on est pas mal? On a l'air pas mal. En tout cas, ça va nous préparer pour le remake de Dead Space. Et ça, c'est bon. Qui, je le rappelle, sort en janvier. C'était juste pour un petit record. C'était juste pour un petit vocal, là. J'ai quand même envie de tirer dans les distributeurs. Je sais pas pourquoi. Je me dis, ça régale au bout d'un moment, tu vois. Ok. Let's go pour la suite de notre aventure. Toujours pas de forge. Allez, c'est parti. Oh non, on va encore dans des égouts, là? Non, s'il vous plaît, je veux juste prendre le tram, est-ce que c'est possible? Est-ce que tout, pour une fois, peut bien se passer? Ce serait bien. Ok. Très bien. Très bien. Oh, toi, frérot. Toi, j'ai pas confiance, toi. Bizarre. Ok. Chercher la passerelle effondrée. Très bien. On va y aller doucement. Tu sais que ça se passe toujours bizarrement. Ah. Dégage, merci. Non. Hop, voilà. Ok. Hop, bien joué. Ok. Ah. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Je savais pas, excusez-moi. Je pensais pas que vous vouliez la jouer comme ça. Genre toi, une gifle, frérot? T'es le daron du dôme, toi, hein, c'est... Bon. Normalement, toutes les balles suffisent à les tuer.
On va rechecker derrière, je sais jamais, c'est peut-être aléatoire le stuff. Même si j'y crois moyen. Quoique si, le stuff à l'intérieur des bails est aléatoire. Vous insistez, vous êtes des entêtés, les gars. C'est terrible. Ok, allez, on récupère de la santé. Faut savoir que gifle, les gars, ça vous emmène en enfer sur 8 années-lumière. Ok. Ah. Il me reste que des balles de pompe, très bien. Superbe ça, ça décore. Let's go! Rien d'autre? Il y a peu de sang. Hein. Je suis bête parce qu'au lieu de niquer, en fait, au lieu de fumer toutes mes munitions, si j'avais su, j'aurais pu les envoyer dans tous les décors du monde alors. Dommage. Dommage, dommage. Alors, par contre, attendez, parce que là, je me suis perdu là. Ok, superbe, je me suis retrouvé. C'est très dommage. Ok, Bibi, t'es où? Ok. J'arrive, mon ref. J'aurais préféré rester à l'endroit où il y avait de quoi scier du bois, si je puis me permettre. Ok. Jacob, hé, hey, par ici! Ah! Je suis censé faire quoi, frérot? Essaye ce Hubble! Attends, tu veux que je grimpe ça? Ça dépend. Tu veux quitter ce caillou ou pas? Ouais, bien vu. Facile! Suffit de pas regarder en bas! Oui, bah oui. Facile, ça s'écroule déjà à moitié, alors? T'as une sale gueule! Tu m'étonnes! Et au sens propre! Parce que quelqu'un a oublié de me dire que j'allais nager dans la merde! Je t'avais dit que ça allait pas être facile, mais t'y es quand même arrivé. Ouais, toi et moi. On n'y est pas encore, mais on se rapproche. Ok. Ça sent pas bon. Allez, attrape ma main. Dépêche-toi. Allez, allez, attrape ta main. Putain, mec, je crois que ces choses sont en train de changer, d'évoluer. Ouais, je crois qu'on doit se tirer d'ici. La combi, c'est pourquoi? La station a été endommagée pendant l'évacuation. On doit sortir pour accéder au tram. Tiens, habille-toi. On doit encore traverser cette tempête. Quand tu seras prêt, je fermerai le sas. Ah, on arrête de ressembler à un prisonnier. Pourquoi? T'as peur d'aider un meurtrier à s'échapper? Ouais, en quelque sorte. Et alors? Écoute. C'était il y a longtemps, ok? Je me défendais. Mauvais endroit, mauvais moment. J'ai pris pas mal de mauvaises décisions à l'époque. Ouais, le sort s'est sûrement acharné sur toi. Non. Non, non. À l'époque, je blâmais tout le monde. Et puis j'ai compris que c'était ma faute. Le passé te rattrapera toujours. J'aurais
perdu. Les gars, pourquoi il fait le nerveux là, le directeur? Bon voilà, je suppose qu'il va pas y avoir de forge, hein. Cet enfoiré de Ferris, comment il est encore en vie? Combinaison en ligne, amélioration de la santé de l'inventaire. Bon. Trop bien, enfin. Je dois le trouver. Oh là là, le bonheur, enfin. Et là, il y a des bails, ok. Alors attendez. Ok, balle de pompe. De toute façon, j'ai rien d'autre. Oh, trop bien. Je suis trop content. Les amis, l'inventaire a doublé. On peut porter plus de choses. Je suis extrêmement heureux. Sans la douille. Il était en train de muter quand même. Je sais pas si vous avez vu le directeur de prison, mais... Cette putain de tempête. Ah, on a un bail. On a un bail là-haut. C'est pas c'est quoi. C'est des lumières. Sûrement pour nous indiquer le chemin. Se sont éteints. Ah. Ok. C'était un petit enchargement dissimulé. Ok. Je suis plus résistant. Là, on retrouve un esprit. Là, on retrouve un esprit très Dead Space. Hein. Ok. Tiens bon, mon vieux, la balise. Ça me fait rappeler... Elias. Ah, bah voilà. Ça me fait rappeler Lost Planet, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Où on pouvait sortir, mais quand la tempête était trop hardcore, il fallait vite rentrer. Ou en tout cas se mettre à l'abri de la tempête, le temps de récupérer. Et ça, c'était cool, c'était des très bons jeux. Et là, ça fait beaucoup plus Dead Space, hein, la combi. Hein. On l'attendait, hein, en vrai. Hein. Ah, on l'attendait, la France attendait cette combinaison, les gars. Hein. Ok. Il est parti loin, sa mère. Hein. Comment il a fait? Il a roulé ou quoi, jusque là-bas? Le ref. Elias! Elias! On doit continuer, allez! On doit te mettre à l'abri! Viens! Je peux pas! Allez, tu peux le faire! C'est pas si loin! On est pas si loin, allez! Non! Gotta keep going! We gotta keep going! Come on! Ok, il faut le faire! J'en peux plus! Merci. Grâce à toi. Je suis sorti. Ok.
Voilà! La relève, elle va remplacer Elias! Je lui ai dit de pas te faire confiance! Comment tu nous as trouvés? Grâce à la valise! T'as de la chance que ce soit moi qui l'ai repéré! T'arrives trop tard! Pas pour ce dont j'ai besoin! Il connaissait Black Iron comme sa poche! Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Hé! Hey! Maintenant, moi aussi. Tu crois aller comme ça? Je suis pilote, t'as besoin de moi! Le hangar est par là! Tu devrais te dépêcher! Putain, c'est pas vrai! Oh, il démarre vite sa mère, hein! Ok! Je suis vraiment désolé, Elias. Attends, vrai bail. Elias, je peux lui casser la gueule ou quoi? Ah, on peut... Non, on peut pas là. Ça aurait été. Je dois rejoindre le hangar. Attendez. Non, on peut pas. On ne peut pas manquer de respect à ce niveau-là. Ok, superbe. Allez. On va ouvrir. Les portes sont ouvertes. Faut que je sorte de cette tempête. Ah, attends, taffe le truc, hein, frérot. Hein. Là, avec tout ce qui se passe. Ok, on a un bail là. Une sorte d'avant-poste. Ça fait un moment qu'il est là. Ok. Alors. UJC pour tous vos besoins. Eh bien, écoutez, je n'ai rien à vendre. Bien dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Production de dégâts en supprimant les plafonds de tension imposés au marché non militaire. C'est quoi en vrai? J'ai envie d'améliorer ça, étant donné que c'est vraiment l'arme quasi principale. Pour le coup, ça peut être pas dégueu, hein. On va attendre d'avoir beaucoup d'argent, on verra. Oh, il m'a fait tellement mal. On va attendre d'avoir beaucoup d'argent et advienne que pourra. Comme on dit dans le milieu de tous les milieux. Ok. Très bien, là, il n'y a rien. Et là... Ok. On continue. Il n'y a rien aussi, là. Des monstres pas beaux. Fils de pute. Ah! Forcément, les soins redonnent pas. Redonnent pas autant que ça. Merde que c'est, putain, mais... Pourquoi on s'est fourré encore? On sait jamais, hein. C'est bon, maintenant je vous connais, les gars, moi. Ok. Ah. Alors, attendez. Est-ce que par hasard des hasards... On sait jamais... Ah, bien. Bien! J'aime bien! Je l'avais pas vu. Ok, superbe. Superbe, superbe, superbe. Et c'est surtout revenir un petit peu en arrière parce que je crois qu'il y avait un bout de chemin. Si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, les bouts de chemin, j'aime ça. Ok. Alors. Bien. C'est dommage que ça soit pas un peu plus rapide les coups de corps à corps, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. Là, il y a des petits secrets, là. Voilà, tu vois ou pas? Miranda. Miranda Kristopić. Je viens de recevoir l'appel. L'UJC abandonne la terraformation de Callisto. Pourquoi maintenant? Après avoir dépensé des millions. Ça n'a aucun sens. C'est presque comme si... Comme s'ils essayaient de tenir les gens à l'écart.
façon, on sait toujours rien de ce putain de projet Callisto Protocol. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Let's go. Vous voyez pourquoi faut prendre le temps des fois de faire des petits demi-tours, la famille? Ça fait des petits enregistrements, ça fait du lore, les gars, on prend. Ça fait du lore, un petit truc à vendre. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Ok. Là, on peut retourner même à la forge à droite. Comme ça, ça libère une classe. Alors. Impression UJC à votre service. Ok, let's go. Attendez, parce que si je ne m'abuse. On peut pas l'utiliser. C'est qu'on est au max. Très bien. Continuons, les amis. Continuons, continuons. Je pense qu'on avance bien. On s'en sort pas si mal que ça, on meurt des fois, mais oubliez pas que quand on était en tenue de prisonnier, c'était du one shot. Là, j'ai l'impression qu'on va plus pouvoir voir les coups arriver. Et donc, ça sera à mon avis un petit peu plus agréable. Maintenant qu'on a cette sublime combinaison, c'est cool. Dégage-toi. Empêche-toi. Oh, bravo. Oh, trop bien. Let's go. Bougez pas. Ok, hop, on recharge. Superbe. Ok, on continue. Let's go, direction le hangar. Oh la vache, il y a un gigantesque pont là-haut. Aller se transformer, ok. Donc dès que les tentacules apparaissent, faut carrément oublier. Ok, faut carrément oublier. Ah bah toi. Ah mais ça oblige à utiliser. Oh putain, c'est terrible ça. Ça oblige à utiliser une putain de mine. Catastrophe. Catastrophe, ma chérie. Il y en a encore combien des comme ça? Enfin, je fais un bruit, les gars. On se déplace, on est en tank. Ok, en même temps, c'est une belle montée. Let's go. Let's go. Comme je disais, on s'en sort pas trop mal en vrai, pour le coup. On continue. Petite save des familles. Oh la vache, ça va être merdier ça. Ça va être le bordel ça. Ok. On va passer par ici en plein milieu. De toute façon, on n'a pas trop le choix, c'est le chemin. Lol. Fait. Allez, let's go. Doucement mais sûrement, effectivement. Je pense que toutes les expressions du monde ont déjà été sorties, les gars, parce que je vois pas si... Ok. Problème. Voilà, le pont, il tient à plus grand chose, hein. Alors, par où va-t-on passer? Par ici, tout simplement. Ah, le hangar, il est pas à côté, hein. J'ai pas encore cette prospérité. Ok. C'est ok, c'est ok. Plus de peur que de mal.
Ok, let's go. Chier, j'ai utilisé un peu trop de munitions, ça me fout un peu le seum. Let's go. Suite de notre aventure. Un truc explosif. Ça sent pas mal, ça. Là, va y avoir forcément des bails chelous. Voire très brusques. Toi là-bas. Hey, essaie de trouver quelque chose pour faire levier sur cette porte. Cette tunnel d'accès mène au garage de la dameuse. Je peux nous faire entrer. Essayez d'ouvrir. Ok. Ça, c'est embêtant. Allez, dépêche-toi. Avant que ces choses reviennent. Beaucoup de trucs explosifs. Ah frère, on s'en va brouiller l'autre. Comme c'est prêt. Ah! Comme un débile! Pas possible d'être aussi con! Ça a l'air d'être possible. Hein. Ok. Bon bah désolé mon ref, t'es mort. Oh, fait chier, j'aurais pu. Mais c'est pas possible! Putain, mais... C'est pas possible. C'est quoi ça, frère? Je suis pas bien, hein. Oh. Richard Sheets. Entrez dans les tunnels qui mènent au garage, superbe. Entrez dans les tunnels qui mènent au garage, bah, c'est pas ici, hein. D'accord. Ok. Je ne crois pas que ça soit ici. On va checker là-haut. Là, tout s'est ouvert, non? Ok, on va checker là-bas. Et ben voilà, entrer dans les tunnels qui mènent au garage, on y est. Let's go! Let's go, let's go, let's go. Et on va s'arrêter là, évidemment. Direction, les tunnels. On va écouter l'enregistrement. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire en attendant. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Richard Seeds. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine tout le monde, portez-vous bien. Bye bye.